Bonjour à tous. Quand mes petits camarades auront fini de bavarder. Bonjour à tous. Je suis Jean-Marc Jézéquel, directeur de l'IRISA, et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces 6e journées sciences et musique, donc qui sont organisées par l'IRISA. Donc juste un mot sur l'IRISA pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est un laboratoire de recherche en informatique et systèmes aléatoires. C'est, pour faire simple, le regroupement de l'essentiel des forces de recherche en informatique publiques sur la région Bretagne, avec évidemment parmi ses partenaires l'Université de Rennes, le Diapason fait partie des équipements de Rennes, et INRIA, avec une forte participation aussi de INRIA dans l'organisation de cette journée. Alors, parmi les missions d'un laboratoire de recherche, évidemment de faire de la recherche, mais il y a aussi ce qu'on appelle la médiation scientifique, c'est-à-dire d'être capable d'intéresser un vaste public à la science en général et à la science qui nous concerne, la science de l'information, du numérique. Et pour ça, évidemment, la musique est un terrain tout à fait intéressant parce que la musique est universelle, tout le monde en fait, et en même temps se croise assez facilement avec un grand nombre de disciplines scientifiques. Et ces journées sciences et musique sont le moyen de faire croiser des choses extrêmement variées, hein, vous le verrez dans le programme, autour de la science et de la musique, interprétées vraiment au sens large, pour intéresser, disons par le biais de la musique, le public à différents aspects scientifiques qui sont derrière ça. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, hein, le programme va vous être décrit. Je voudrais quand même remercier particulièrement le comité de coordination de programmation, donc, qui est présidé ou animé par Antoine Deleforge, à qui je vais passer la parole dans la suite, et avec un rôle extrêmement important joué par Frédéric Bimbaud, qui est ici, qui est le responsable du département Signaux Images, donc qui pilote un peu cette chose-là à l'IRISA. Et puis aussi Valérie Gouranton, Rémi Gribonval, Ronan Gogne et Nancy Bertin, qui ont joué un rôle extrêmement important pour ces 6e journées sciences et musique. Donc je vais maintenant passer la parole à Antoine Deleforge, qui va vous donner plus de détails sur ces journées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc. Voilà, ça y est, on y est. 6e journée sciences et musique. Ça fait tout drôle. En fait, pour les 5e journées, l'année dernière, moi, j'étais invité ici, en fait, comme intervenant. J'avais présenté un petit atelier. Et j'étais vraiment loin d'imaginer qu'on me confierait la tâche de piloter la journée de l'année précédente, de l'année suivante. Donc, merci beaucoup. Super cadeau. Non, je plaisante. C'était vraiment une expérience, en fait, formidable. Ça fait vraiment sortir du boulot de chercheur conventionnel, on va dire. Et voilà, après 6 ou 7 mois d'efforts collectifs, je dirais assez intenses, on y est, c'est dur de réaliser. Je vais démarrer sans plus attendre, mais quand je dis efforts collectifs, je mâche pas mes mots. C'était vraiment quelque chose qui s'est fait à plusieurs, hein. Je suis loin d'avoir tout fait moi-même, vraiment très très loin. Et donc, comme le veut la tradition, je vais commencer par dire beaucoup de merci, et ça me semble très important parce que cette journée existe grâce à beaucoup de personnes différentes. Hein, la journée sciences et musique, elle a des visages. Donc je commence tout de suite par un énorme merci au comité d'organisation. Je ne veux surtout pas oublier, donc il faut savoir que comité d'organisation, ça veut dire que chacune de ces personnes, si elles n'avaient pas été là, la journée n'existerait pas aujourd'hui. Donc on a Romain Lebarbanchon qui était à la communication et à la diffusion, Ewen Camberlin à la logistique, Clément Gauthier au budget, Luc Lemagoarou pour la gestion des bénévoles, Adrien Lemans pour le site internet, on avait Valérie, Ronan et Rémi à la programmation, Frédéric, Nicolas et Nancy pour le prix Jeune Chercheur. Et j'oublie pas le personnel administratif de l'IRISA qui nous a apporté énormément de soutien. Donc Agnès Côté pour la communication, les supports. Evelyne Orin pour le service financier. Et Armel Modiaconazzi et Stéphanie Lemel pour la gestion des intervenants, l'hébergement, le transport. Et j'aimerais aussi dire un petit mot pour remercier notre graphiste de cette année, Julien Catherine, qui est à l'origine des magnifiques, du magnifique logo qui est ici, et de tous les jolis pictogrammes, ainsi que du poster et de plein d'autres choses. Donc il a fait un super boulot cette année, donc merci à Julien Catherine. Je propose qu'on applaudisse tous ces gens.
Moi, je continue en disant merci à tous les bénévoles parce que c'est eux qui sont en train là, de courir dans tous les sens avec leurs t-shirts jaunes et noirs pour essayer de faire tourner la journée pour que tout soit agréable pour tout le monde, intervenants et invités et visiteurs. Donc, je ne vais pas dire tous les noms, mais voilà, on a une bonne vingtaine de bénévoles qui sont là à se plier en quatre toute la journée pour que tout soit là. Donc, un grand merci à eux aussi. Un grand merci aux partenaires financiers. Donc, une journée comme ça, évidemment, ça a un coût. Donc, on a eu énormément de soutien à la fois de la région de Bretagne, de la ville de Rennes, de l'Université Rennes 1, évidemment de l'IRISA et de l'INRIA, Rennes Métropole, le Grécy, Centrale, la STAR, l'Espace des Sciences, la FIM, l'INSA, la Fondation Rennes 1, le CNRS, le Bon Accueil et l'école ESRA. Ils nous ont tous aidés soit financièrement, soit pour de la logistique, soit pour la communication. Donc, un grand merci à tous ces partenaires. Et je finis par dire un énorme merci au Diapason. Sans eux, c'est pareil, la journée ne serait pas ce qu'elle est. Et en particulier, pas le Diapason, c'est une salle, mais c'est aussi des gens. Donc Sonia Jabé, Dominique Briand et Guillaume Leveau nous ont apporté un soutien considérable pour mettre en place cette journée. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Et voilà, donc on y est. Alors, maintenant, fini les moments émotion, parlons un petit peu de la journée de cette année. Et on a choisi comme thème cette année 10 000 ans de son. Alors, 10 000 ans de son, waouh, ça fait impressionnant. Alors, pourquoi ? Alors, déjà, pourquoi 10 000 ans ? On s'est dit 10 000 ans, alors c'est le début de la sédentarisation, en fait. C'est quand les hommes ont commencé à faire de l'élevage, à faire de l'agriculture, à s'installer. Et donc, on s'est dit 10 000 ans, c'est bien, ça a l'air d'être une bonne époque pour commencer à faire de la musique. Et en fait, on avait tort. Parce que en fait, j'ai réalisé récemment que les premières flûtes préhistoriques en os ont été découvertes et datées à il y a 35 000 ans. Donc voilà, et ça, vous pourrez le découvrir si vous allez visiter l'atelier d'Étienne Safa, qui est un archéologue musicien ou musicien archéologue, je ne sais pas comment on dit, mais qui est à l'étage, je vous conseille vraiment d'aller voir. Il va vous présenter comment il fait des recherches sur les flûtes en os préhistoriques. 35 000 ans, donc on aurait dû appeler la journée sans ces musiques 35 000 ans de son. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les flûtes, en fait, les flûtes, c'est une invention qui a plutôt bien marché parce qu'aujourd'hui encore, en fait, on sert des flûtes pour faire de la musicothérapie et même avec l'ambition de soigner la maladie d'Alzheimer. Et on a un atelier qui s'appelle Flûtronique à cette journée qui va parler de comment la flûte peut être utilisée à des vertus thérapeutiques. Voilà. Donc, on aurait dû appeler la journée sans ces musiques 35 000 ans de son, mais bon, ça sonne moins bien. Et puis surtout, c'était sans compter sans la créativité de nos intervenants. Notamment le collectif Cosmic Garden. Après tout, pourquoi la musique viendrait de l'homme ? Et c'est un petit peu ce que propose Cosmic Garden en disant, même avant que l'homme existe, peut-être que les plantes chantaient. Il est là, juste près de l'entrée, je vous conseille d'aller voir des plantes musicales, ça vaut vraiment le coup. Et puis encore plus fou finalement, mais l'atelier de Maxime Arasi, qui est à l'étage, qui s'intitule Le Premier Son, et qui va vous emmener peut-être à l'origine des tout premiers sons, pourquoi pas le Big Bang. J'en dis pas plus, c'est assez mystérieux comme atelier. Donc en fait, vous l'avez compris, la journée sur ces musiques 2016, c'est un voyage dans le temps, du Big Bang jusqu'au son du futur. Donc, notamment en termes de voyage dans le temps, on a un atelier de réalité virtuelle par la salle Immersia, donc qui s'appelle Evolution, qui va carrément vous emmener en voyage à travers toutes les époques de la musique, du médiéval au postmoderne, en passant par la Renaissance, le classique, le baroque. Et c'est une salle de réalité virtuelle qui va carrément vous emmener sous des airs de fugue de Bach à la découverte des différents endroits musicaux des siècles passés. Et en zoomant un petit peu plus sur les trois derniers siècles, si vous allez toujours au village immersif à l'atelier de Mylène Pardoen, elle va vous proposer d'écouter au casque le Paris du XVIIIe siècle. Donc en faisant des reconstitutions sonores, vous arrivez à vous balader dans les rues du vieux Paris du XVIIIe siècle et à entendre tous les sons qu'il pouvait y avoir à l'époque. C'est assez incroyable. Donc merci à Mylène Pardoen pour cet atelier. Et si on fait un petit bond vers le XXe siècle, je vais donner la parole très bientôt à Laurent De Wille, notre invité d'honneur, qui nous fait la première conférence, il est déjà dans la salle, qui va nous retracer un peu l'histoire des inventeurs de claviers numériques et autres synthés au XXe siècle. Toujours un peu au XXe siècle, mais même avant, on aura une conférence de Bruno Gazangel, qui va nous faire en fait l'historique des supports d'enregistrement. Donc en partant du cylindre d'Edison et du gramophone créé en 1877 jusqu'au MP3 aujourd'hui. Donc là, on est parfaitement dans le thème la science, la musique. Comment est-ce qu'on fait pour enregistrer le son ? Avec, évidemment, le vinyle en 49,
les CD en 82. Et donc, vous aurez la chance d'écouter les différences, etc., comment ça a évolué, tout ça. Donc ça, ce sera la troisième conférence de la journée. Et évidemment, il ne faut pas oublier dans ce petit diagramme le fameux gramophone. Donc si je ne me trompe pas, 1889, le début du gramophone. Et il y a un atelier pour les plus petits qui est géré par le Bon Accueil, qui est dans la salle de boxe, c'est au rez-de-chaussée. C'est une salle de boxe, mais il ne faut pas avoir peur. Donc si vous avez des plus jeunes avec vous, n'hésitez pas. On va vous montrer comment fabriquer carrément son propre gramophone en papier. Donc encore un atelier plutôt sympa. Et bien sûr, après le XXe siècle, on se plonge déjà dans le futur. Donc on aura en fait des ateliers plus technologiques qui vont montrer comment seront les sons de demain. Notamment, bon, si vous allez au village immersif, il y a Aspic Technologies qui propose un escape room en réalité virtuelle. Donc, c'est un jeu collaboratif où vous portez un casque d'immersion 3D et vous collaborez avec quelqu'un en vous aidant du son pour vous échapper d'une pièce. Donc ne ratez pas un Pédibus pour aller voir ça. Et toujours dans l'idée de l'immersion, on a un atelier qui est à l'étage, qui est géré par Charles Véron, qui s'appelle Son 3D, qui vous permet de faire des écoutes au casque assez hallucinantes, où vous avez un sentiment de 3D en écoutant des sons qui est assez, assez impressionnant. Donc n'hésitez pas à voir ce genre de technologie. Et enfin, comment parler du futur sans parler de l'ère de la robotique? Et donc je vais finir la présentation des ateliers en mentionnant notamment le séminaire de Thomas Forgue, qui sera juste après celui de Laurent Dewitt, je crois que Thomas est dans l'assistance, qui va nous parler de comment on peut s'inspirer de l'audition humaine pour l'audition des robots. Donc là encore, quelle merveilleuse illustration de l'alliage entre science, musique, son. Le modèle auditif humain a toujours été une énorme source d'inspiration. Et en l'occurrence, avec l'avènement de la robotique, c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de la manière dont les humains entendent pour implémenter ça sur des robots. Et on aura une conférence là-dessus aujourd'hui. Et on a aussi un atelier qui est en bas, je pense qu'il va être un atelier assez star dans cette journée, qui est l'atelier Game of Drones, les sons contre-attaque. Donc on a trouvé un titre assez sexy. J'ai participé un peu de loin à la mise en place. Et donc c'est un atelier avec un robot volant, j'en dis pas plus, mais c'est assez dingue, avec une ambiance un peu Star Wars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Ça vaut vraiment le coup si vous avez jamais vu un robot qui vole et qui en plus est localisé grâce au son. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc c'est pour les ateliers, c'est fini. Mais surtout, n'oubliez pas, à 17h15, il y a la remise du prix Jeune chercheur en sciences et musique, parce que tous les ans, la journée sciences et musique décide de récompenser un jeune chercheur, donc soit un doctorant, soit quelqu'un qui a récemment obtenu sa thèse, et récompensé sur des travaux exceptionnels dans le domaine à la fois de la musique et des sciences. Et donc cette année, le prix revient à Alberto Munoz Aranzo, qui a fait une thèse sur un bec instrumenté pour caractériser le jeu des instruments à hanches simples. Donc venez l'applaudir à 17h15, il fera aussi une petite démonstration de ses travaux. Donc je pense que ce sera assez intéressant à voir. Après ça, on finit toujours la journée sur ces musiques en fête. Donc à 18h30 jusqu'à 19h30, il y aura le collectif Ophonius, qui est un groupe de saxophonistes, jazzistes et également une contrebasse, qui font des concerts un peu spéciaux qu'ils appellent les concerts scientifiques, où non seulement ils jouent de la musique géniale, mais en plus ils vous expliquent un petit peu quelle est la physique derrière le son, quelle est la physique derrière leurs instruments. Donc là, ils vont nous faire un petit interlude de 18h30 à 19h30, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Je pense que je les ai écoutés ce matin, ça, c'est vraiment sympa. Et évidemment, à 19h15, le traditionnel buffet de la journée sciences et musique, ne le manquez pas, hein, donc il y aura de quoi se ravitailler, parce que ça creuse, les sciences, ça creuse. Donc de 19h15 à 20h15, en gros, voilà, on pourra se ravitailler un peu, donc pas besoin de partir du diapason, tout le monde peut rester ici. Et on finira à 20h30, c'est d'ailleurs dès 20h15, on ouvrira les portes de la salle, pour le concert Léon. Alors je veux dire un mot tout particulier sur ce concert cette année, parce qu'en en fait c'est leur première, c'est un projet qui a été monté par Fabrice Holtz. Et donc voilà, ils vont vous présenter un truc assez fou, c'est plus qu'un concert, c'est vraiment une sorte de concept en fait, de show, qui va retracer la vie d'un personnage qui s'appelle Léon, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Et donc chacun en fait peut se reconnaître dans les chansons.
Donc c'est des textes très jolis écrits en français, sous des airs un peu rock, électro-acoustique, donc c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la journée sans ces musiques, je pense que le spectacle Léon va vous réjouir. Et donc voilà, nous y sommes, je pense que j'ai fini de présenter. En tout cas, merci à tous d'être là, je suis impressionné. Généralement au début de la journée, on n'a pas grand monde, je m'attendais à parler à 3-4 personnes, et là je vois qu'il y a déjà énormément de sourires devant moi.